C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, j'avais vraiment l'art de m'attirer des problèmes, des soucis en quelque sorte, dans mon métier de gendarme. Alors je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans aujourd'hui, à l'époque j'en avais 4 ou 5 de moins. Mais c'est vrai qu'au quotidien, dans le boulot et même du coup sur un plan plus personnel, je me créais du coup des mauvaises relations. J'étais souvent en conflit, soit avec des collègues, soit avec des personnes qui sont autour de moi, parce que je n'étais pas au clair sur ce que je voulais. Et même au-delà de ça, en fait, ça m'engendrait vraiment du stress de ne pas avoir ces relations autour de moi, de ne pas savoir vraiment ce que je voulais. Et au bout d'un moment, je me suis remis en question. Et c'est vrai, en cherchant autour, j'ai vu qu'il y avait ce travail à faire sur les valeurs. J'ai découvert du coup les formations de Paul et qui propose vraiment un travail sur soi, un travail sur les valeurs. Et les valeurs, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai compris ça parce qu'en fait, on apprend vraiment finalement à se connaître, qu'est-ce qui est important pour nous. Pour moi, par moi, c'était la liberté, c'était le fait d'évoluer, c'était le fait de grandir. Et j'en avais pas conscience avant dans mon travail. Et c'est vrai qu'en prenant conscience de juste qu'on a des valeurs, que c'est essentiel, eh ben, on se refixe des projets, on se refixe des objectifs, on se refixe en fait du sens dans la vie. Et par rapport à ce travail qui me nourrissait plus, et ben du coup j'ai repris de nouvelles ambitions. Ça m'a permis de changer du coup d'ambition au niveau professionnel, de revoir aussi au niveau du couple, et en fait d'être beaucoup plus épanoui parce que sachant vraiment ce que je veux, sachant ce qui est important pour moi en termes de valeurs, en termes d'aspirations, et ben j'ai ouvert ce champ des possibles et maintenant je me sens beaucoup plus épanoui. Et comme tu le vois peut-être au début de la vidéo, je me sentais un peu mal à en parler et c'est peut-être lourd pour toi aujourd'hui, mais en travaillant sur ces valeurs, ça change tellement de choses et je te propose vraiment d'aller travailler à fond dessus, peu importe où tu en es aujourd'hui.